Cette vidéo est une introduction aux questions d'éthique. Lorsqu'on parle d'éthique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se poser des questions. L'éthique apparaît souvent sous la forme de questions. Donc, dans votre expérience, vous vous êtes déjà posé des questions éthiques. Mais aujourd'hui, pour commencer notre réflexion, je souhaiterais que vous pensiez à des exemples. Des situations qui, d'après vous, peuvent être qualifiées d'éthiques, c'est-à-dire des cas, des situations concrètes dans lesquelles vous estimez que ce qui a prévalu, c'est quelque chose qui, pour vous, représente la valeur éthique. Donc, je vais vous donner quelques exemples qui vont nous servir à réfléchir, quelques descriptions de situations qui vont nous servir à réfléchir à ce en quoi consiste l'éthique. Et donc, ce sont des situations qui peuvent être perçues par chacun, surtout dans le contexte du soin, comme des situations qui relèvent de l'éthique. Le premier cas, la première situation, le premier exemple concret, c'est être bienveillant avec un patient dément. Imaginons que ce patient a fait preuve de violence, par exemple, à l'égard du personnel soignant, et que je me conduise d'une manière bienveillante ensuite avec ce patient dément. La deuxième situation, le deuxième cas que je propose, c'est de respecter les tours de congé afin de participer à la répartition du travail. Le troisième cas, c'est celui qui consisterait à respecter les croyances d'un patient qui refuse une transfusion. Le quatrième cas, c'est celui qui peut déjà s'être posé dans le cadre d'une intervention avec le 15, où les intervenants, les soignants, choisissent de simuler une réanimation afin d'aider la famille qui entoure le patient dans l'entrée dans son processus de deuil. C'est-à-dire qu'il s'agit de simuler les gestes de réanimation afin d'accompagner d'une certaine manière les proches présents dans l'idée d'un processus, c'est-à-dire l'idée qu'il se passe quelque chose pour sauver le proche, mais que cette chose-là échoue et donc qui déroge un petit peu à la situation d'inactivité qui pourrait se poser sinon. Le dernier cas, la dernière situation que je propose pour notre réflexion. C'est celle qui consiste à rester avec un patient atteint d'une maladie psychique, un patient qui est contenu dans une salle d'isolement. Donc il s'agit de rester avec lui pour lui parler et pour lui expliquer la situation, pour lui expliquer ce qui se passe. Voilà, donc nous avons maintenant 5 exemples concret, 5 situations précises qui pourraient être représentatives de ce qu'on appelle éthique. Maintenant, on va se poser la question du pourquoi. Pourquoi j'agis? C'est-à-dire, il s'agit à la fois de la question du sens et de l'intention. Qu'est-ce qui guide mon action? Si on prend le premier exemple, qu'est-ce qui me guide lorsque je suis bienveillant avec un patient dément? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première peut être que je respecte ma fonction, c'est-à-dire que dans le cadre de mes fonctions, je considère que il s'agit de ma mission, d'être bienveillant. La deuxième possibilité, c'est que je crains pour ma sécurité. Et dans ce cas, on voit que je suis bienveillant dans mon propre intérêt. On pourrait aussi penser à une autre raison qui m'amène à être bienveillant dans ce contexte. Ce serait de rechercher la reconnaissance de mes pairs, c'est-à-dire la reconnaissance des collègues qui travaillent dans mon service,
En étant bienveillant, je montre mon professionnalisme devant mes pairs. Concernant la deuxième situation, respecter les tours de congé pour participer à la répartition du travail. Une première raison peut être que je veux être apprécié par le cadre du service. Une autre raison peut être que je ne veux pas de conflit avec mes collègues. Alors, à chaque fois, je donne des raisons différentes, des raisons d'agir, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif. On pourrait trouver de nombreuses autres raisons. Pour le troisième cas, respecter les croyances d'un patient qui refuse une transfusion. Je peux agir de cette manière parce que je respecte la charte de l'institution qui dit que les soignants doivent respecter les croyances des patients. Je peux agir ainsi parce que je ne veux pas me mêler de son choix, du choix de ce patient. Je ne veux pas rentrer dans une discussion concernant ses croyances ou je ne veux pas me mêler de son choix. Une troisième possibilité, c'est que je crois qu'il est responsable de ses choix et que, après tout, même si je considère que c'est une erreur, ben c'est tant pis pour lui. Concernant le quatrième cas, l'intervention avec le 15, dans laquelle les soignants choisiraient de simuler une réanimation, il y a plusieurs aussi possibilités. Disons que la première, c'est que je ne veux pas me confronter au sentiment d'impuissance de la famille et donc je préfère fournir des éléments dans lesquels ils ne se sentent pas tout de suite impuissants. Une deuxième raison, ça pourrait être que dans ce contexte, j'imagine que ce proche qui est là, ça pourrait être mon père qui serait dans la même situation, c'est-à-dire je projette quelque chose de personnel, une situation personnelle, et je me dis si c'était moi, si c'était mon père, si c'était ma famille, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse pour eux, c'est-à-dire les accompagner dans leur deuil à travers une pratique qui relève pas réellement d'une pratique thérapeutique, mais qui relève de l'accompagnement. Dans le dernier cas, qui consiste à rester avec un patient en salle d'isolement pour lui parler et lui expliquer la situation, là aussi, on peut imaginer plusieurs raisons d'agir ainsi. Tout d'abord, s'il se blesse, j'aurai fatalement plus de travail. Donc, ça peut être dans mon intérêt de rester avec lui, de l'accompagner dans cette situation et de discuter avec lui. Une autre raison, ça pourrait être que cette pratique-là, c'est celle qui m'a été apprise à l'école. Dans mon école de soignants, voilà ce qu'on m'a appris comme bonne pratique. La dernière possibilité que j'évoquerai, c'est celle dans laquelle, si je suis aussi proche de ce patient pour pouvoir lui expliquer la situation, le rassurer d'une certaine manière et lui parler, c'est parce que je peux imaginer qu'il s'agit de mon fils. Je peux projeter dans cette situation à nouveau l'idée que s'il s'agissait de ma famille, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse? Et ça peut être le guide de mon action. Maintenant que nous avons détaillé toutes les possibilités, alors pas de manière exhaustive, mais en tout cas un certain nombre de possibilités qui m'amèneraient à agir de cette manière, c'est-à-dire à produire les situations que nous avons évoquées au départ comme étant des situations représentative de l'éthique. Donc maintenant que nous sommes rentrés dans le détail pour comprendre ce qui peut me pousser à agir de cette manière, on peut voir probablement que les situations que nous avons évoquées au départ sont pas de manière si évidente représentative de l'éthique. Je m'explique. Si on retourne dans le détail, par exemple, de la première situation, être bienveillant avec un patient dément, je respecte ma fonction. Si je respecte ma fonction, ça veut dire que je respecte une valeur qui est donnée de manière générale par mon cadre d'action. Et donc c'est ça, cette normalisation à ma fonction ou à ce que je suppose être les missions associées à ma fonction. C'est cette normalisation, cette visée d'adhésion à la norme que je me suis moi-même donnée qui guide mon action.
Est-ce que la visée d'adéquation à une norme peut être considérée comme une raison éthique d'agir? Dans la deuxième raison d'agir ainsi, je crains pour ma sécurité. On voit là la préoccupation du sujet pour lui-même et pour son propre confort. Cette préoccupation-là, on peut la retrouver dans différentes propositions suivantes, comme je veux être apprécié par le cadre de mon service, je ne veux pas de conflit avec mes pairs, je ne veux pas me mêler de son choix, je ne veux pas me confronter au sentiment de chagrin ou d'impuissance des autres. J'imagine que ça pourrait être mon père. S'il se blesse, j'aurai plus de travail. J'imagine que c'est mon fils. Vous voyez que toutes ces situations renvoient à un critère qui m'amène à agir, qui est moi. Dans le cas des autres propositions, comme je le disais, je respecte ma fonction. Donc ça veut dire que j'agis en vue de la norme. Ce qui est aussi le cas pour je cherche la reconnaissance de mes pairs, je respecte la charte de l'institution, c'est ce qu'on m'a appris à l'école et je respecte ce qu'on m'a appris à l'école. Vous voyez que dans ce cas-là, ce qui est visé, c'est bien l'adéquation à un idéal, à une norme, à une fonction telle qu'elle m'a été enseignée par exemple, en tout cas à une représentation. Donc vous voyez à quel point la réponse à la question pourquoi j'agis ainsi importe, puisque finalement on a reclassé toutes les raisons que j'avais énoncées pour agir de telle et telle manière, et que toutes ces raisons détournent totalement l'impression éthique qui pouvait dans un premier moment se dégager de la description de chaque situation. Chaque situation désormais trouve des intentions qui n'apparaissent pas du tout comme étant éthiques. Alors, c'est ce qu'il va maintenant être question de détailler. Une question éthique concerne quoi? Sur quoi on peut se poser une question éthique? Eh bien, tout d'abord, on a vu qu'il s'agissait toujours d'une situation particulière, d'une situation précise. Et puis on a vu qu'il s'agissait d'une situation concrète et puis qu'il s'agissait d'une situation de choix. Donc voilà, une question éthique concerne à la fois une situation particulière, concrète et une situation de choix. Qu'est-ce qu'on entend par là? Une situation particulière au sens où elle n'est pas réplicable, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une autre possibilité de se poser cette question précise. Une situation concrète parce qu'elle n'est pas théorique, ce n'est pas en imagination que je me pose cette question, mais à partir des données concrètes qui sont devant moi. Enfin, une situation de choix, c'est-à-dire que le sujet porte avec lui ou assume la responsabilité de sa décision d'agir ou de ne pas agir et la responsabilité de sa manière d'agir et de réagir à la situation. On voit finalement que dans le cas d'une question d'éthique, un lien complexe se forme entre différentes instances, entre différents pôles qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et nous avons commencé à repérer ces pôles ou ces instances à travers l'analyse des différentes situations que je vous ai proposées plus tôt, notamment à propos de moi et de la norme. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail justement de ces instances. Tout d'abord, on a vu qu'il pouvait y avoir l'institution qui apparaît sous la forme de la charte ou sous la forme du règlement à l'intérieur de mon institution qui impose une manière d'agir. Au-dessus de l'institution, un peu plus globalement, on a le droit qui s'exprime à travers le code pénal ou à travers la déontologie, tous les codes qui sont imposés à ma profession par exemple. Et puis dans le même pôle, dans la même instance, on trouve la communauté, qui peut être la communauté formée par les collègues, la communauté familiale ou encore
la communauté religieuse ou la communauté de conviction, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles je forme un groupe, dans lequel je me reconnais, mais qui portent aussi des valeurs et des représentations. D'un autre côté, dans la situation qui pose une question d'éthique, il y a un autre pôle qui est celui qui subit la décision, celui qui d'une certaine manière devient l'objet de cette décision. Et puis d'un autre côté encore, on a celui qui doit prendre cette décision et l'assumer, celui qui porte la responsabilité d'agir. On reconnaît dans celui qui subit la décision le patient ou la personne vulnérable. On va appeler le premier pôle que j'ai décrit sous le droit, l'institution et la communauté, le tiers. On va appeler ce pôle qui est celui qui doit prendre la décision, sujet ou moi. Et le dernier pôle, le troisième, celui qui subit la décision, on va l'appeler autrui. Et on voit que entre cet autrui et ce tiers, qui peut être varié, il y a des interactions. Entre le sujet et le tiers, il y a également des interactions dans les deux sens. Et entre autrui et le sujet, il y a des interactions. Même s'il y a des interactions entre les trois pôles les uns avec les autres, parce qu'on a dit tout à l'heure que la question d'éthique portait sur une situation dans laquelle une décision doit être prise, on a compris que le siège finalement des relations qui nous intéressent, c'est le pôle du sujet, c'est-à-dire que le sujet se trouve au milieu de cette situation éthique. Et finalement, c'est au sujet lui-même que s'adresse la question éthique, puisque c'est à lui de prendre une décision sur son action. Alors maintenant, si nous rentrons un petit peu plus dans les détails de cette relation qu'entretient le sujet avec le tiers et avec autrui, on reprend le même schéma et on voit que du côté du tiers, on trouve à travers tous les éléments qu'on a déjà évoqués, qui constituent le tiers, on trouve quelque chose qu'on appelle la norme ou les normes, puisque les normes ou la norme peuvent se multiplier. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle ici là ou les normes? Il s'agit de règles impersonnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas portées personnellement, mais qui sont portées par un groupe. Et c'est cette règle impersonnelle qui est adressée par le tiers au sujet. Elle lui est adressée dans le cadre d'une attente de respect. Et donc une attente de respect qui est une visée d'adéquation du sujet à la norme ou à la règle impersonnelle. Ensuite, on a de la part d'autrui adressée au sujet des attentes ou des demandes. Ces attentes et ces demandes se produisent à la fois sur un plan explicite et sur un plan implicite. C'est-à-dire qu'il y a explicitement ce que demande ou attend autrui, et il y a ce qui, à travers autrui, apparaît comme une attente, et donc de manière implicite. Ensuite, il y a, il faut le détailler aussi, du côté du sujet, des valeurs qui se sont construites, une histoire personnelle qui est vectrice de valeurs, il y a des sentiments ou des affects. Comme on l'évoquait tout à l'heure, autrui ressemble à mon père, à mon fils, à ma mère, etc. Et puis il y a les projets propres au sujet, les projets de carrière par exemple. Tout ceci apporte une pression supplémentaire sur le sujet dans le cadre de sa décision. Une différence importante à remarquer est que les attentes exprimées par autrui, qu'elles soient explicites ou implicites, sont entre dans le cadre d'une relation personnelle. Et cette relation personnelle, c'est une relation qui ouvre à une responsabilité devant l'autre, ce que ne fait pas à proprement parler une règle impersonnelle, même si elle ouvre une
situation de pression, elle n'ouvre pas une responsabilité devant autrui, ce que fait la relation à autrui. Ici, on peut se demander donc ce qui se passe quand on se pose une question éthique et on voit que énormément d'éléments viennent se contredire chez le sujet, puisque on a à la fois ce qui est intérieur au sujet et qui va entrer dans le cadre de la prise de décision, on a ce qui est issu du tiers et qui est une attente qui peut s'opposer aux attentes d'autrui. Finalement, dans le cadre de l'éthique, dans le cadre de ces relations complexes qui se tissent entre ces trois instances, on voit que la prise de décision repose sur la question comment agir bien, comment agir au mieux. Et une autre question évidemment qui est associée à ce comment agir bien, c'est comment prendre la meilleure décision. C'est-à-dire que on se questionne sur les critères, et ici on voit qu'ils pourraient être très nombreux, les critères de notre décision. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire mon choix pour répondre à l'attente d'adéquation exprimée par le tiers? Est-ce que je vais faire mon choix en fonction de moi et de mes visées personnelles? Est-ce que je vais faire mon choix au regard des attentes implicites ou explicites qui sont issues d'autrui? Et une question donc qui se pose ici, dans la réponse à ces deux questions, comment bien agir et comment prendre la meilleure décision, c'est la distinction entre la morale et l'éthique. C'est ce que nous allons maintenant préciser. Donc si on pose d'un côté la morale et de l'autre côté l'éthique, on essaye de voir ce qui distingue ces deux démarches dans leur manière de faire le choix des repères, le choix des critères dans la prise de décision. Il apparaît que dans la morale, le centre de gravité de la décision est constitué par le sujet, le moi, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et dans l'éthique, le centre de gravité de la décision est constitué non pas par le sujet, mais par l'autre, par autrui. C'est ça la différence majeure entre la morale et l'éthique et qui conduit à des prises de décision très différentes. Quand on parle de choisir comme centre de gravité le sujet, on fait allusion à une manière de décider qui repose sur d'abord l'idée de si j'étais à la place d'autrui, si autrui était moi. Ce qu'on perçoit ici chez autrui, c'est un alter ego, c'est-à-dire un autre moi-même que je reconnais en autrui. C'est l'argument moral qu'on retrouve dans la plupart des campagnes des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge ou de la Fondation l'Abbé Pierre. L'argument moral qui consiste à dire « il faut être généreux parce que ça pourrait être vous » ou bien « ça pourrait vous arriver un jour à vous d'être dans le besoin ». Le deuxième critère qu'on peut évoquer ici, c'est le critère de mon propre bonheur, donc la quête de mon bonheur et de mon accomplissement personnel à travers mon action. Lorsque je décide pour mon propre bonheur, je peux décider en vue de la reconnaissance de mes pairs ou de la reconnaissance de la société pour mon acte, donc en vue de aussi consolider mon statut au sein de la société, au sein de ma communauté, donc en vue de consolider ce statut social, comme c'est souvent le cas dans les Rotary ou dans les Lions Club par exemple. Ici on comprend que le geste en direction de l'autre est considéré comme un enrichissement, comme une expérience pour soi-même, une expérience pour se construire ou pour se découvrir. Donc on reste bien du côté de la morale car il y a un critère et ce critère est le bénéfice, le gain ou la perte pour moi. Donc c'est bien le sujet, le moi, qui est le centre de gravité de la décision. Du côté de l'éthique, on a dit que le centre de gravité de la décision est l'autre, c'est-à-dire que c'est l'autre qui m'adresse
des éléments, quelque chose qui m'amène à prendre la décision de mon action. Le premier élément qui intervient ici, c'est celui de la responsabilité devant la souffrance d'autrui. Il s'agit ici de la vulnérabilité d'autrui. Cette vulnérabilité qui va au-delà de ce que autrui me montre de lui, c'est-à-dire d'un message explicite de la part d'autrui. C'est-à-dire une vulnérabilité qui m'apparaît en dépit de la volonté d'autrui. Et cette vulnérabilité me saisit, cette souffrance qui est une vulnérabilité me saisit, elle s'impose à moi. Et c'est pourquoi on parle d'un sentiment ou du sentiment d'être appelé par autrui, c'est-à-dire pas par autrui en propre, mais par cet élément qui gît sous autrui, qui s'ouvre à travers autrui et qui me touche, qui est constitué par sa vulnérabilité, par sa souffrance, et donc pas par un message explicite, mais par quelque chose de l'humanité en général, probablement, qui s'exprime à travers la figure d'autrui. Et donc, à travers ce sentiment d'être appelé, on peut penser à ce que dit Emmanuel Lévinas, évidemment, qui parle du fait que la souffrance d'autrui me regarde. C'est pas seulement que je suis concernée par autrui, c'est que je suis happée ou appelée par sa souffrance et donc dans une obligation d'être présent et d'être responsable devant cette souffrance. Le deuxième point qui apparaît, c'est la négociation avec la règle qui s'impose à moi au vu du cas particulier. Le sujet est dans une position d'obligation, c'est ce qu'on a dit à propos du premier point, une responsabilité, un sentiment de devoir devant autrui. Donc il est dans une situation, on l'a déjà dit aussi, particulière, une situation particulière, précise et inédite. Et le sujet est donc amené à infléchir le cadre légal auquel il est soumis. Le conflit se trouve précisément là, dans la majorité des situations, c'est-à-dire que le cadre légal est pensé en vue de la généralité. Le cadre légal fixe les conditions générales valables pour tous, de tout temps. Et dans ce contexte, la situation particulière d'autrui ouvre une faille parce que le cas particulier qu'autrui apporte n'était pas prévu. Et donc le sujet se trouve dans la situation où il doit faire le lien ou négocier entre ces deux aspects, entre la règle générale qui encadre ma pratique et d'un autre côté le cas particulier qui s'impose à moi et comme on l'a dit tout à l'heure, qui ouvre ma position de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Et donc les deux premiers éléments nous permettent de comprendre le troisième qui est l'inconfort d'être dans une tension liée à la situation. En effet, alors que du côté de la morale, on voyait qu'il y avait la possibilité de rechercher son propre bonheur, on voit bien que dans l'éthique, le bonheur n'est plus en vue, mais il y a quelque chose qui s'impose de l'extérieur, qui vient d'autrui, et qui me fait rentrer dans cet inconfort qui est ouvert par l'opposition dont on a parlé au moment de la négociation avec les règles qui s'imposent à moi. Cet inconfort, il est lié au fait que je suis dans une position intenable, dans laquelle je suis poussée à prendre une décision, en sachant que cette décision n'ouvre pas une cohérence directe avec la norme qui s'est imposée à moi auparavant. Il est important de remarquer ici que, alors que dans la morale il peut y avoir une forme de satisfaction, on ne trouve pas du tout de satisfaction pour soi-même, en vue de soi-même, dans l'éthique. Il est important de comprendre ici que, même si on a vu que le centre de gravité de la décision n'est pas le même dans la morale et dans l'éthique, s'ajoute la question de l'intention. Dans la morale, j'agis en vue de moi-même, à dessein de moi-même, tandis que dans l'éthique, j'agis au service d'autrui. Et se mettre ici au service d'autrui, ça a le sens d'être dédié
à autrui, mais comme vous avez bien compris, il ne s'agit pas de ce que me demande explicitement autrui, mais plutôt de ce qui, chez autrui, m'apparaît comme sa vulnérabilité, et je me retrouve au service de cette vulnérabilité, en tant que responsable de cette vulnérabilité, par exemple, responsable d'accompagner autrui dans sa souffrance, et responsable de trouver, comme on l'a dit, une forme de négociation avec les règles qui s'imposent à moi. Et donc, même si le sujet se retrouve dans l'inconfort total de ne pas viser son propre bonheur et de ne pas trouver de satisfaction dans ses actions, dans l'éthique, il est tenu par le devoir qu'il contracte devant autrui au moment où autrui lui dévoile sa propre vulnérabilité. Maintenant, nous pouvons revenir au premier temps de notre réflexion et voir que, à la question « pourquoi j'agis ?», je pourrais à chaque fois faire la même réponse, parce que je dois prendre soin d'autrui. Sa vulnérabilité et sa souffrance me rendent responsable. Et c'est donc le devoir qui guide mon choix, lorsque ce choix s'appuie sur l'éthique. Et si nous revenons maintenant sur le tableau qui décrivait les relations entre le tiers, le sujet et autrui, nous nous apercevons que ce qui importe le plus, c'est la relation que nous avions appelée implicite, les éléments qui m'apparaissent à travers la relation avec autrui et qui directement me font me sentir impliquée par ce qui lui arrive, par ce qui arrive à autrui. C'est donc sa vulnérabilité qui vient me saisir et qui place toutes les autres relations dans une dimension secondaire. Voilà donc quelques éléments de réflexion qui pourront être approfondis par des conseils de lecture. Le livre « Soins et fin de vie pour une éthique de l'accompagnement » coordonné par Michel Saint-Jean et moi-même. L'ouvrage « Penser la mort » de Vladimir Jankélévitch. Et l'ouvrage « Soigner le grand âge » de René Sebaglanoé, dont la préface a été rédigée par Emmanuel Lévinas. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez différents liens vers des articles et des liens vers un entretien en trois parties d'Emmanuel Lévinas avec France Guvy, que je vous recommande particulièrement.